Ok, avec le micro c'est mieux. Donc nous reprenons Apothéon. J'ai laissé en plan jeu quelques semaines, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors on va essayer de pas trop mongoliser sur la reprise au niveau des commandes. Voilà. Je me souvenais qu'on allait vers, si je ne m'abuse, où est-ce que c'est la carte? C'est là la carte. Voilà, on va aller vers Poséidon. Je pense qu'on voit mieux la carte ici. On va aller vers Poséidon. On est donc à Acropolis. Il y a Arès, Athéna, Poséidon à faire, qui n'ont pas encore été faits. Donc Acropolis, on a visité Acropolis. Et maintenant, on va aller donc voilà, au Trident de Poséidon. L'Agiste d'Athéna, c'est par là. Et le Crest of Arès, c'est ici. La crête d'Arès. L'Aegis, c'est le bouclier, il me semble, l'Aegis. Et le Trident de Poséidon, on va aller directement à Poséidon. Oh putain, d'accord, il m'attaque. Bon bah voilà, première... Oh putain. Première reprise des combats... Oh merde, putain, il attaque. Putain, il... Allez, tire, voilà. On reprend les combats directs, comme ça. On sera pas dépaysé quand on rentrera dans... Tiens, oui, c'est vrai qu'ils se font soigner. Oh putain, je vais crever. Il faut niquer les soigneurs. Alors, bon voilà, je suis mort. La reprise est difficile. Tout est sous contrôle. Nous reprenons. Voilà, une petite chute pour commencer. Comment on se soigne vite? Comme ça. Voilà, maintenant je le sais. Ok. Donc ils veulent pas que je rentre. Eh ben je vais rentrer quand même. Toi, tu vas pas appeler les potes. Voilà. Une petite clé pour rentrer. Ils ont rien laissé traîner, non. Bon, je les ai bien baisés. Il suffisait qu'ils appellent pas les potes et puis c'est bon. Oh, j'aurais pu leur balancer une pierre dans la gueule. Allez, on y va. On prend quelques petits trucs et on y go. Rentrons ici. En avant. Donc changement de... Changement un petit peu de couleur, donc forcément. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, faut faire attention aux gardes, si je comprends bien. Bon, y a du monde ici, hein? Qu'y a-t-il de l'autre côté? Est-ce qu'on peut passer sous le... On va passer sous le bateau et de ce côté-là, il y a également du monde. Très bien. De toute façon, on sait que les cartes sont quand même assez grandes dans les nouveaux environnements. Ouais, il y a du monde et ils sont tous armés. On va essayer de ne pas taper malencontreusement une personne. Le poisson, c'est la vie. Voilà qui est fait. Alors j'ai l'impression qu'on peut lui causer à lui là. On peut pas. Acmon. Bon, j'ai pas envie de faire de bêtises en le tapant donc. S'il n'y a pas d'action possible pour le moment. Là y'a rien. On va visiter rapidement un petit peu la zone pour savoir où est-ce qu'on met les pieds quand même. Et puis on fera un petit... On regardera la carte ensuite. Ah, je crois que j'ai fait le tour par ici. Ah, Pactolus. Pactolus, ça c'est un truc lié à l'argent, ça. Pactolus, Pactol. C'est la même racine. C'est les thunes.
Ce mec est riche. Les mecs dorment beaucoup quand même, hein. Hein, ça pionce, hein. Bon, par contre, quand on repète leur lit, ça les gêne pas trop. Ah tiens, ça c'est quoi déjà? C'est un... Ah oui, c'est un TP. Téléportation. Hop, on va aller prendre le coffre de l'autre côté. Parce que 200 mecs dorment. Et c'est cadeau. Voilà, un petit upgrade. Ça coûte rien de le choper. Oh là, et c'est la chute. On va essayer de pas retomber. Parce qu'il y a une zone un peu sur la droite là, sur laquelle on peut atteindre, je pense. Voilà, si on tombe pas comme ça, voilà, si on fait pas le mongol et qu'on va bien ici. Que je peux sauter loin. Ouais. Sauf que là, maintenant, c'est trop loin. Ok. Alors, je lis pas trop les tablettes, c'est peut-être un tort. Poseidon, Gatorade the Cloud, Unsizing, is Trident, and his hand, Trouble the Sea, Rose all blazed, all manner of winds, and either with cloud, land, and sea alike, and night rush down from heaven. Together the east wind and the south wind dashed, and the fierce blowing west wind and the north wind born in the bright heaven, running before him a mighty wave. Donc c'est Homer, hein, qui raconte ces trucs. Je passe un petit peu à côté de toutes les subtilités, car comme je le disais avant, l'anglais c'est pas non plus... Je comprends, mais faut peut-être pas non plus abuser. Par là, y'a quoi si je saute? Eh ben. Là, je peux monter ou pas? Non, c'est un peu haut. J'ai pas envie de niquer quoi que ce soit. On va rentrer dans la maison. Eh ben, tiens, on voit une partie de la carte là. C'est quand même un jeu assez basé sur l'exploration. Comment on descend? Ah, bah oui, on descend. Comme ceci. Fire, blast jar, blast jar. Putain, quelle connerie. Je suis en train de me défoncer. Et là, ça pète pas. Putain, chier. J'ai plus de vie, quoi. Et donc? Et ensuite, ça a dû ouvrir une zone ailleurs, mais il y a une autre porte là, je pense qu'on peut rentrer par là, par autre part. Faut trouver l'autre porte. Ah bah elle est juste en dessous. Elle est juste en dessous, ici. Voilà. Et donc là on peut, je vais changer tout de suite... truc parce que je vais me faire avoir sinon. Comment on prend déjà une alors Olympia, je veux juste un truc à la con moi. War Arrow, j'en ai combien? 27. Oh, je l'avais là. Oh, mais genre. Ah oui, forcément. Je tire dans le mur. Heureusement que je peux les ramasser, hein. Ça y est. Tout de même. Je peux toutes les ramasser. J'aime bien comment il marche. Un upgrade. C'est très bien. Et la raider stash key add to inventory. This whisper around the rumor. Mild that the
fait Mia when done with old hand just a few days ago. She was laden with treasure from Athens, rich for trying to outrun the judgment of God. Of God, I suppose. I got my hands on the and okay. Quelqu'un qui s'est enfui avec un trésor. Et donc sûrement la clé qui me permettra d'aller récupérer ces trésors si je trouve l'endroit. Voilà. Donc si on fait un petit tour de carte de ce qu'on a vérifié, local map. Ça revient vite quand même. Hein. Voilà, donc une zone immense, comme je le disais. Il n'y a qu'un seul passage. Il n'y a qu'un seul. Que c'est une sortie ici, il n'y en a pas plusieurs. J'en vois pas. On va avancer. C'est Poséidon. Et on arrive au niveau des bateaux. Ah bah ça c'est. Les pieds d'argent. D'accord, très bien. Poséidon peut être le maître des îles, mais nous avons une influence sur. Nous avons aussi notre propre influence sur les mers. Aboard this ship, his eyes look over you for a time. Ah oui. Ma nouvelle quête. Et elle s'enfuit. Ah, elle s'enfuit comme un poisson. Non, je ne vais pas prendre le compas tout de suite. Je vais rentrer dans la maison. J'ai personne qui me voit en plus. Ok, donc c'est le bateau qui va m'emmener vers les. Vers. Comment dire ça? Vers la. Pas la tanière, mais dans les. Dans les parties sous-marines. Non, 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 je ne veux pas ça. Ok. Voilà. Lockpit. De l'armure. Pas grand chose ici, hein. Ah si. Alors bien sûr, il va falloir encore. Encore, je vais encore me faire baiser. On teste. Voilà. Et ici, il y a à bouffer. Ça, très bien, je vais pouvoir récupérer de la vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est quoi, c'est un. Yes! C'est une arme en fait, un boomerang. Je l'ai paumé? Je l'ai paumé! Je l'ai paumé! Bordel de merde! Ou alors c'était. Bon, enfin bon, c'est une nouvelle arme. Un disque qui nous revient. Allez, on détruit ça. Et on y va. On peut y aller. Allons à l'assaut des mers. Et donc Poséidon, tout ça, le trident. Il parlait des pillars of arm of. Of je sais plus quoi. Earthquake ou je sais plus ce qu'il disait. Local map. Alors. Vérifie juste, c'est quoi ça? Ah, il y a un marchand d'armes. Et ça, c'est Altar of Zephyr. Oui, ça, c'est le TP, ça. Et là, il y a quoi? Et lui, il m'a pas parlé, hein. Il m'a rien dit, hein. Mais on va aller à Poséidon. On va aller à Poséidon. On va pas y passer des heures.
allons toucher le compas du navire. What the fuck? Ah, c'est les différents vents. Alors, elle me parlait de ça, mais... Ah, attends, parce que... Oui, elle voyait deux zones, il y a trois zones. Bah, on va aller au nord. Commençons par le nord. Et rejoignons le cheval. Ah, donc c'est bien ça, je... Je risque de tomber sur de la... Allez, ouest. Je risque de tomber sur de... Des orages ou des choses comme ça, là, créés par les dieux. La navigation ne va pas être de tout repos, j'imagine. Et si je fais local map, là, il se passe quoi? Hein, il y a des choses... sorte de bizarre. Continuons. On peut monter sur le sur la voile? Non, on peut pas. Allez, encore un coup et allons au nord. Une erreur est survenue. Ce jeu bug, hein. Ce jeu bug. Allez, on revient. Alors, il nous remet où? Il nous remet là. Donc oui, hein, c'est bien la quatrième, cinquième fois que j'ai une erreur critique sur le jeu. Hein. C'est pas extra, c'est pas super. Au moins, ça pénalise pas trop au niveau de la progression, hein, mais quand même, c'est pas agréable. Nous voici donc arrivés à un endroit dont je ne sais pas ce qu'il faut y faire. Ah! Qui met les pieds sur l'aile sacrée des chevaux? Poséidon préserve ses fabrications from the ruin. La Poséidon préserve sa création du monde, de la ruine du monde. Je trépasse here et je n'ai pas. Faudrait pour. Putain. Ah ouais! Viens là. Super, il faut que je monte à cheval. C'est bon ça. Il y a du monde, hein. Et ici. Il est bloqué. Merde, il était bloqué. C'est ça que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'il y a quand même des vraies variations de gameplay, des idées, chaque fois un peu nouvelles dans les types de combats. Ils se contentent pas juste de faire de l'exploration. Les confrontations sont quand même toujours un peu différentes. Viens là, mais viens là. Heureusement que j'ai le cheval, hein, et que c'est plutôt facile à manier. Descend. Je vais rien regretter du tout. Bon, est-ce qu'il y a des choses à... Parce que bon... Ah oui, j'ai quand même de l'aggro sur plein de monde là-haut, là. Je vais vérifier la carte locale. Rider. Je suis allé assez loin. On va reprendre un cheval, vu qu'on est quand même sur l'île des chevaux. Et on va aller voir, on va aller faire un petit tour. On va quand même explorer un peu la zone. Le cheval est une création de Poséidon? Je ne savais pas. Ah, attends, il faut peut-être tuer les autres riders. Eh oui.
Oh genre. Je l'ai pas tué là. Oh comment je l'ai eu dans les airs là. Ça mériterait un ralenti. Tu fais quoi toi? Il est fou lui. Il est pas bien. Remontons à cheval. Allons. Oh, on peut pas aller plus loin. En fait la carte est toute en longueur. Ah si, il y a quand même un truc là-haut. Descends. Oui voilà, là, c'est pas le cheval de Skyrim, par contre lui, pas de problème. Voilà, et on descend. Et on reprend le cheval parce que bon, c'est quand même très étalé. C'est très très en longueur cette partie de la carte. On va quand même vérifier qu'on n'ait rien oublié. Est-ce que je peux embarquer un cheval sur le bateau? Je crois pas être passé par en dessous, hein. On va passer par en dessous. Puis y a un rider là-bas. Je going to regret rien du tout. C'est toi qui vas regretter, voilà. J'ai fait couler le sang. Et on va retourner. Ah! Voilà! Bon, on va se débarrasser de tout le monde sur l'île. Come on! Voilà! Ils sont combien? C'est le dernier, j'ai l'impression. Il n'y a plus de. Ah, ouais! Ah, il est beau celui-là. Je t'ai bien défoncé, toi. Et on retourne au bateau. Et je peux pas monter avec le bateau. Donc, c'est juste une petite escapade sur l'île des chevaux. L'île sacrée des chevaux. Et nous retournons donc. Nous allons sur le rocher ou pas? Je propose de prendre le chemin inverse. Celui qu'on a pris. South. Voilà. Je suis curieux de voir si on va tomber sur une tempête déclenchée par le dieu des mers, des océans. Pour le moment, il n'en est rien. Nous allons à East. Puis. Petit oiseau qui gazouille. Puis. Non, pas au port, nous allons aller tout droit, donc toujours east. Ah, on peut tomber sur des pirates, ou je sais pas comment on peut les appeler comme ça. Mais non, t'inquiète. Tiens. Qu'est-ce que t'allais faire là? J'adore quand vous sautez, vous êtes complètement vulnérable. Ah, j'ai enlevé mon bouclier au moment où il a lancé son truc. Un repair kit, un iron club. Et quelques trésors peut-être, oui c'est ça. Hein. Et des lockpits. Bien, donc nous aurons. Hop. Les pirates, on les a défoncés. Allons au sud. Pour aller rejoindre le caillou là. Toujours pas de. Est-ce qu'on peut. Bon, ça s'assombrit quand même, hein. Je prends le risque ou pas?
On est au fond. On est au fond. Donc il n'y a pas de zone. Il doit y avoir, je pense, planqué dans l'eau, à des endroits, des trucs, mais. On va pas s'amuser. On fera ça. Comment on ressort? Oh. Ah voilà. On fera ça quand on fera Zelda Wind Walker. Wind Waker. Car je l'ai récupéré en version. Alors on va aller à liste. Je récupère en version HD. J'avais beaucoup aimé le jeu à l'époque et il est magnifique en HD. Enfin, en remasterisé, le cel shading en 1080, c'est quelque chose quand même.